camarade Nando, tout ben camarade, camarade Silvio, tout ben camarade, ben parti politique qui est rallié avec nous, c'est-à-dire avec nous tous, vous souhaite la bienvenue et vous souhaite aussi bienvenue à tout ben camarade qui fait déplacement et un bienvenue spécial à ben membre de la presse. Merci. Mauricienne, Mauricien. Rodriguez, Rodriguez. Agaléen, Agaléen. Ben exilé de Chagos. Crime contre l'humanité. Ben camarade de Diego. Nous ben camarades de la diaspora. Moi, et un grand honneur. Un grand poids de responsabilité qui, camarade, même camarade dans Rassemblement Mauricien, Nando, qui camarade Silvio Michel dans les VF fraternels, qui ben camarade de, pour la patrie, ralliement pour la patrie de nos camarades Douki, donne-moi la responsabilité pour faire le welcoming speech. Le welcoming speech, simple, mon content qu'ils êtes là, mais seulement devant nous, ce qui nous peut annoncer, ce qui, l'engagement nous prend, c'est un engagement tellement lourd, qui existe nos sincérités, nos honnêtetés, nos convictions, nos valeurs avec lesquelles nous attachés, qui pour réussir amène nous à bon port. Parce que nous, il y a des affaires qui sont différentes avec les autres. Il y a quelque chose qui nous compte. Parmi nous, dans la salle et derrière nous, tout un camarade qui pourrait avoir une responsabilité, à chaque fois, depuis semaine dernière, surtout samedi dernier, chaque fois qu'ils se trouvent, pavillon Maurice peut flotter, rouge les zones vertes, zones aimées. La différence ici, c'est la sincérité. Donc, mon welcome zot, mon remercie zot, mon espérer nous tout pour faire sacrifice qui bizarre. Parce qu'ici, n'a pas donné l'argent. Ici, n'a pas donné gousse. Ici, n'a pas donné nanier, sauf diaoub za travail dire pour la République de Maurice, pour la planète et pour les enfants de demain. Le monde passe un moment difficile. Plusieurs millions de personnes affectées par la guerre et n'a pas mort. Plusieurs. Et dans la guerre, dans plusieurs coins de la planète bleue. Nous, nous comptons la paix. On va donner une hymne nationale. Et pour demander la paix, pour prier pour la paix, pour qu'il y ait dans la paix, la tradition qui nous a adoptée, c'est qui nous allume dans toutes nos belles grandes activités, nous fait le devoir, allume la bougie, deux bougies blanches, et ça c'est pour la paix, pour la prière pour la paix, et pour qui nous engage nous pour la paix. Et Modiman, Mademoiselle Madone et Mademoiselle Parina pour allume la de la bougie qui est à droite de Nando Boda. Vive la paix. Nous gagnons responsabilité, moi avec Nando, pour tenir les deux discours qui nous pensaient forts et nous sortir de l'ordinaire n'a pas au de faire, mais faire plaisir, mais faire deux discours forts qui pour rassembler tout le monde. De nous l'équipe, de cette grande équipe, de cette équipe honnête, intègre, de cette équipe qui vous fait Maurice fier, la République fière. Donc, moyenna maintenant pour faire un discours, et ce discours-là, tout camarade qui est derrière moi, il donne moi l'idée, donne moi coup de main, camarade Nando, camarade Silvio, camarade Ben, camarade à l'extérieur, pour qu'il donne un discours pour dire, qui faire nous là?
qui fait ralliement mauricien, qui fait les peuples, l'union pour les peuples mauriciens, qui fait ralliement pour la patrie, qui fait nos camarades VF fraternels et les autres qui bougent nous, qui fait nous ensemble. Et qui fait, moi personnellement, délégué par ben camarades, que ce soit par camarade président LPM, nos camarades Jean-Claude Barbier, qui ce soit par camarade Dave Sanassi, secrétaire général, qui ce soit par madame Nina Ramdeni, qui ce soit par Raouf, et qui ce soit par mon camarade Aibo, José, et toute l'équipe, on a oublié un nom, on dit tout, qui fait nous l'envie rassembler. Rassembler, c'est un mot vague, un mot qui pas veut dire non rien, si peina la volonté de rassembler tout dix monde qui content ce pays, tout dix monde qui envie vrai même sens système. Tiena avant Gréa, groupe réflexion Emmanuel Antil. Tiena avant, en avant Maurice, 100% citoyen, camarade Dave et toute l'équipe. Tiena camarade aussi, ben camarade Kouma, camarade qui nous est là, Bruno. Nous ne finissons avec docteur Benoît. Nous ne rallions tout ça, dis-moi. Nous ne faisons l'effort personnel, ben camarade connu, au nom de ben camarade, pour rallier tout ça, dis-moi. Nous n'amenons un combat, peine à semaine, peine à jour, qui nous panne au centre combat. Nous ne pouvons pas attendre fruit là tomber pour dire nous bénéficier. Nous lutter, et nous péliter, et nous pouliter. Rassembler tout, dis-moi. Ensuite, nous finissons un événement rassemblé. Personnellement, moi pas trop content cause comme ça, rassembler aussi ben avocat dans Avengers. Rassembler une équipe pour la guerre contre le système. Rassembler une équipe pour la guerre contre l'État, pourri, mafieux. Après, nous continuons. Et moi, nous gagne l'immense plaisir pour rassembler ensemble avec nous, camarades Nando, avec lesquels nous faisons l'appel pour qu'ils quittent le gouvernement. Et bien, beaucoup de courage pour faire ça, comme Silvio Michel, il fait lui à deux reprises. Nous gagnons rassemblement mauricien, et nous travaillons depuis décembre dernier. Nous n'allons même nous travailler sans qu'il signe aucun accord. Mais seulement, il y a la volonté pour changer le système, l'honnêteté, la sincérité, et aussi le respect de l'autre, la tolérance pour travailler ensemble. Comprendre le classe aux limites, parce qu'il n'y a personne dans ce monde-là qui est omniscient, omnipotent, omnicompétent. Tout dit moins à sa qualité, tout dit moins à sa faiblesse. Et travaille comme serviteur, et non pas travail pour gagner l'honneur. L'honneur n'est pas nous qui donnons, c'est là-haut qui donne l'honneur. Vrai, pas vrai. Donc, nous continuons à rassembler. Ensuite, nous nous joignons, mes camarades, idées, dans la volonté de rassembler, camarades José Mort, ils nous joignent, à plusieurs reprises. Nous nous joignons, camarades, mes camarades, dans ralliement pour la patrie de nos camarades avocats, grands avocats Douki, qui est basé en France. Et là aussi, c'est encore une fois, ben camarade comme Dave Sanassi, comme ma camarade José Mort, et les autres qui nous font un travail de base pour rassembler. Et nous nous rassembler. Et nous travaillons aussi, et moi bien, bien content, qui nous joignent le premier mouvement vert, les Verts fraternels, qui est le premier mouvement vert dans l'hémisphère sud. Ben, je vous pense uniquement. Et qui n'amène la lutte, qui n'amène la lutte, vous voyez, tout le monde dit, je n'amène la lutte. Un dit, il y a un CO de l'eau, il dit, ça pour l'humanité. Peut-être. Mais un dit, qui amène la lutte non-stop pour la dignité de la personne humaine, dans toutes ses formes, que ce soit pour les Ilois, que cela ce soit pour les Benjimoun qui peinent à la case, que ce soit pour Benjimoun qui est victime, petit à jeter les autres la case, petit à jeter les autres terrains, que ce soit pour Benjimoun qui sortit Diego, qui est exilé, qui ici partit à la place pour rester, ben travailler à DWC, que ce soit pour l'environnement, et que ce soit aussi, ben camarade, pour Benjimoun, ben descendant des esclaves, qui dans nos pays, nous content, pas content, in crasé, qui nous promettent, pour différents gouvernements, leur terrain, restitution, mais non, il n'y a pas un film fait. Moi, on a plaisir, nous nous réunissons tout ça là, ensemble, et nous continuons à joindre les autres pour faire un grand changement constitutionnel.
Et il y a plusieurs changements. Et je peux déjà trouver l'infini travail. Pas comme certains pédiastères par le travail. Que ce soit un nouveau droit. En termes internet. Artificial intelligence. Droit à l'environnement. L'écocide. Nous ne travaillons et le document est déjà prêt. Que ce soit au niveau Freedom of Information Act. L'infini travail. Et la presse est important. Je dis que la presse n'a pas fait, comment dire, je pas connais. Si pas connaît, vingt et un parmi nous pour faire autre connaît. Et ceux qui pas connaît, pas comprendre, nous pouvons y faire comprendre. Mais ceux qui pas les trouver, pas les connaît, pas les comprendre, malheureusement, moi, on a une seule affaire à offrir, c'est la prière pour qu'ils autres comprennent, autres connaît, et ils autres capables d'agir. Différence entre nous et les autres, de l'autre côté, et dans ben grand-père, gourmand. Nous rassembler pour passer la main à la nouvelle génération et nous rassembler pour effacer l'homme, visage, ben parent, et moi, me content d'y aller, effacer l'homme, le sac visage, sac maman, dans sa pays-là. Merci. J'espère que je n'écoute mon discours correct. Merci. Ben camarade, nous avons trop beaucoup de responsabilités. Je ne sais pas si je connais que mon cheveu est fini, vin blanc. Donc, une autre responsabilité qui ben camarade vient de moi, c'est de dire get logo de sa groupe qui nous réunit ensemble et qui est accepté par tout ben groupe qui forme partie. Moi, je dis à moi, je dis camarade Nando, à côté la bougie, moi, à côté Ivo, pour que je sois tout capable de get un nouvel état. Merci. Dans deux pavillons se trouvaient en même temps, c'est blanc, rouge, bleu, jaune, vert. La paix importante. Et le nom, c'est Lignon Maurice. Allez, Maurice. Le nom qui était? Lignon Maurice. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Puisqu'ils aiment. Mes camarades, maintenant, moi, j'ai un autre plaisir, un autre honneur. Dans sa jour, 2 septembre 2023, pour inviter un camarade qui oubliait toutes les qualités qu'il y en a. Une qualité qu'il y en a, qui après, à moi très très apprécié, c'est l'humilité. L'humilité d'un croyant, croyant dans beaucoup de choses, qui a une conscience. L'humilité pour accepter les autres. L'humilité pour comprendre qu'il y a une différence entre moi et Nando. L'humilité pour comprendre qu'il nous différence, met un côté, mais ce qui est plus important, c'est pavillon rouge, bleu, jaune, vert, ville Maurice. Ouais. Camarade là, camarade Nando, il y en a beaucoup, beaucoup de qualités. Fait que je n'ai un camarade avocat, qui m'a parlé hier, qui m'a dit à moi, je souhaite lui bon anniversaire, et camarade, il causait que Nando, et qui dit tout le temps hésitant entre un deux et un autre, qui soit pour faire. Là, fini joindre Nando une cause la philosophie. Quand il finit cause la philosophie, il dit en Nando devant ma présence, mon parti connaît qui ouena sa quantité, qualité philosophique et qui en prenne et qui envie mettre lui à la au service de la patrie. Moi dis man Nando pour prononcer ce discours. Bon, je ne connais pas qui manière pour remercier Rama.
Mais moi, je suis content pour commencer par remercier tous mes camarades ici, LPM, Rassemblement Mauricien, camarade Silvio, pour ça, l'énergie qu'il nous mettait dans ces 10 derniers jours pour faire ce jour-là et cet événement-là une réalité. Merci beaucoup. Hein. Ce n'est pas seulement l'énergie ressource. C'est aussi les idées. Et c'est là qu'ils se trouvent les engagements. Parce que cet engagement-là, il y a un pacte sacré avec les peuples. Nous ne pouvons pas faire un engagement, un programme, parce que toute l'alliance, tout parti politique, à un moment donné, il vient avec un programme. Mais nous, engagements, on dit. Et je peux trouver qui manière nous fait réfléchir là, ça ban engagement là, il pour un pacte sacré avec la population. Tous nos ban candidats, je peux, si besoin faire un affidavit, je peux faire lui. Mais ce que je peux faire, c'est qu'en public, le jour de présentation des candidats, je peux prendre un serment solennel qui se peut venir pour servir les peuples et pour mettre ce programme-là, ce bon engagement-là en pratique. Nous pays, nous tout connaissons contre les États-Unis. 50 ans après l'indépendance, nous tout connaissons contre nos pays fin arrivé à Zouti. L'idée est un précipice. Dis-moi, tu peux dire, il est un précipice. Moi, je veux dire, le pays déjà dit dans une situation de ruine. Je vous dis quelque chose. Quand mon petit enfant, mon papa, tu permets moi un meeting. Je l'écoute dans une grande tribune. Hein. Mais sincèrement, j'ai même attendu qu'il a aujourd'hui, moi, il fait moi une grande honneur, il touche moi, qu'il a aujourd'hui, moi, vous dis vous là, devant tout le monde, devant toute l'île Maurice, et nous saluer tous les enfants de la République. Et la diaspora. Parce que diaspora, aujourd'hui, il voulait qu'il se la voie attendait et il voulait dire qu'il se l'équerre toujours à Maurice. Ça. Je ne peux pas attendre qu'il me boutique là, moi, les enfants de Montaïlon, pour dibouter là, pour dire comme ça, qu'avec ça, l'équipe là, avec sa bonne camarade qui là, il y a un mot qui peut ajouter à tout bonne qualificatif que grand man donné. Sincérité, loyauté, volonté, moi pas ajoute la détermination. Nous besoin ayant la détermination politique. Sinon, pas pourquoi pas régler problème. Aucun problème pas pourquoi régler. Si nous payons la volonté politique, qu'il est la drogue, qu'il est fraude, corruption, gaspillage, pour amener l'unité, nous besoin ayant la volonté politique. Et moi connais qui chacun de mon camarade là, devant moi et avec moi, ensemble, nous ayons sa volonté politique pour amener sa main engagement là, mettre autres en pratique. L'exemple, bien vient d'en haut. Et camarade Ramain toujours dire, si un ministre est une fanée, les bisins payent des fois. L'exemple, bien vient d'en haut, un premier ministre vous en donne l'exemple. Le ministre vous en donne l'exemple. République, son président vous en donne l'exemple. Moi, dans le meeting, avec mon papa, maman, avec mon dans mon petit meeting, les enfants, aujourd'hui, mon père, moi, aujourd'hui, les enfants, les peuples, nous venons là pour dire, ensemble avec ça, l'équipe-là, donne-nous destin, ce pays-là, dans nous la main, pour faire ce pays-là, vin un pays modèle. Maurice est dans le potentiel d'être un pays modèle de tolérance, de vivre ensemble, d'écosystème, de tourisme, de plaque tournante, de technologie nouvelle, nous capables d'un modèle pour le monde et il faut que tout le monde vienne guetter. Qui met nous vivre ensemble, toute communauté. Qui met nous faire nos touristes, vienne sécurité. Qui met nous faire nos cybercités. Qui met nous dire, au nom d'un petit pays comme Maurice, qui peut cause, moi, mon petit ministre de l'Agriculture, dans le monde, au niveau des ACP, 64 pays, Maurice qui peut cause l'Odyssique, Maurice qui négocie près d'Odyssique avec l'Union Européenne, un petit pays comme ça. Nous avons tout pour être le modèle.
Moi fier, moi content, merci mon bon camarade qui là, qui nous donne moi ça l'occasion. Merci Rama. Pour dire vous là aujourd'hui. Pour dire vous là à côté de toi. Et moi pour dire une autre affaire. Moi tu veux qu'on les royales, nous tu veux marcher depuis Carcy pour venir la Gardino. Mon arrêt pas du côté de la gare centrale. La grève, coup de gaz. Mon gars, coup de gaz. Zaymo tu attends à ce moment-là. Qui m'a pour à côté, un dimoun qui se lalit fin dans la rue. Un dimoun se lalit fin dans la rue. Et, vraiment, il dit, nous t'y causons pour ce discours. Je vais pas ajouter deux, trois affaires de ce discours. Il dit que le rassemblement. Rassemblement, premièrement, l'union peuple mauricien. Rassemblement par la suite, rassemblement mauricien. Par la suite, le ralliement citoyen pour la patrie. Après ça, nous avons nos camarades de VR et nous avons toujours beaucoup d'honneur et beaucoup d'appréciation pour camarade Silvio Michel. L'équipe ministère, il y a dans le pâtisserie. Vous attendez ça? L'équipe l'auto, bodyguard, après il y a dans la pâtisserie. Qui ça l'a gravé à ça? Moi, je suis quitté. Les temps où quitté, les temps où vous êtes tous les co dans le parasite, depuis dans le pouvoir. Les là qui ont réalisé qui au fait, où viennent nous à tout ni. Mais, où sincère, ou sorti par principe. Et Rama finit quelqu'un dans la rue. Et là, ces derniers temps, si nous prenons les événements, Covid, Wakashu, tout ça, le LPM, avec Rama, tout le monde finit dans la rue. Et aujourd'hui, Mopetrouma, donc, ensemble avec lui, parce qu'il sait qu'il nous l'est. Nous l'est amené à une révolution démocratique. Nous pouvons sortir dans la rue pour rentrer dans le government house, l'hôtel du gouvernement. Moi, je dis ça souvent à Raouf. Ça, la flamme là. Nous devons continuer à garder. Et aujourd'hui, ça m'a un engagement là pour dire qui nous envie de faire. Nous avons la détermination, nous avons la loyauté. Qui nous l'est? Nous l'est un gouvernement propre. Nous l'est un pays propre. Ouais, ouais. Un gouvernement propre. Nous l'est un pays. Il y a un modèle côté na méritocratie, côté na intégrité et côté na compétence, mais ce qui est plus important, côté na l'unité, tout communauté ensemble, parce que ce pays-là, pour nous tous, donc nous avons un pays propre, un gouvernement propre, côté na prospérité. Et quand nous causons prospérité, nous avons partagé et il faut dès qu'il arrête, bœuf travail, souvent le manger, nous dire par exemple, salaire égal, travail égal, par exemple, pour madame, dans Boukouka. Salaire égal, travail égal, madame dans Boukouka, qui est dans le secteur agricole, qui est dans le secteur industriel, qui est dans le secteur service, madame gagne moins. Il n'est pas possible ça. Nous devons corriger. Deuxième petite chose, ça nous cause méritocratie. Il n'est pas qu'assiste dans le secteur public, il y a méritocratie dans le secteur privé aussi. Il y a across the board. Alors, nous avons le méritocratie, intégrité et compétence. 50 dimoun qui comptent ce pays-là, hommes et femmes, qui compétent, nous sommes ce pays-là, dis-moi là. Ou sans la Banque de Maurice, ou sans la Dessous, ou sans l'ICAC, ou sans MBC, pays-là respiré, aujourd'hui, nous n'avons pas. Tout le monde fait, nous avons fait ce pays-là respirer. Alors, aujourd'hui, le moment n'est pas à l'arrogance. Le moment n'est pas à l'ego, comme Rama habite dit Ali. Le moment, aujourd'hui, c'est pour l'amour de la terre de Maurice. Bravo. 50 ans après l'indépendance, nous visons un nouveau cycle. Pour qu'ils nous bannent des enfants, nous, un peuple de migrants, nous. Migrants, ça veut dire que comment les oiseaux nous envolent, nous viennent là. Mais comment la situation pas bonne, nous dit, nous envoler encore? Faut départ qu'ils nous bannent des enfants en vie, quittent le pays, aller, capable d'apprendre, aller, retourner. Mais brain drain qui peine aujourd'hui. C'est un hémorragie qui nous pas pour capable arrêter si nous peine à compétence et méritocratie si ça zenesse là, il pas dire qui m'au final apprendre mon retourner quand mon retourner mon travail et mon envie reste dans ce pays là. Nous van vie du monde. Nous van grand du monde qui nous fait tellement une construire ce pays là. Nous besoin de nous autres le confort. Nous besoin de nous autres le soutien pour la santé. Et surtout, nous avons besoin d'une autre chose.
les moyens pour combattre la solitude. Le moyen pour combattre la solitude. Pour qu'ils se disent, oui, nous pouvons vivre plus longtemps, mais nous pouvons vivre dans le bonheur. Nous en avons beaucoup pour faire. Au bout de tout ce mon engagement là. Moi, ce que je suis content de dire, je vais parler plus long que ça. Ma mission, quand je suis sorti, au fait, je dis, je suis content d'être avec tout le monde. Nous mettons ça gouvernement là de haut. Gouvernement là, bizarre, ça, ça nous tout connaît, gouvernement là de haut. Mais une autre mission, nous en avons. 50 ans après l'indépendance, après sa élection là, Ramgoulam Papoula, Duval Papoula, Béranzé Papoula, Moma Poula, Rama Papoula, Boulel Papoula, nous bisons une nouvelle génération de ban jeunes et de dimoun qui est en maturité dans politique pour prendre destin à ce pays-là dans notre main. C'est ça nos missions. Ce n'est pas une question d'être premier ministre ou d'être président. Non, tu sais que mon appartement, mon travail avec quatre premiers ministres, mais moi je suis content. L'exa à la nouvelle génération, et à cause de ça, qui bande camarade qui, avec nous là, dans un esprit d'équipe, dans un esprit d'équipe, parce qu'il nous besoin de mettre nous toujours au niveau de nos bandes camarades. Nous besoin d'écouter les autres. Et dans ça, l'esprit d'équipe là, et dans les affaires, nous amène une signe d'accord, nous amène une cause ticket, nous amène une cause poste. Mais tous ces mêmes camarades là peuvent travailler, peuvent venir même depuis ce fois combien moins. Et aujourd'hui là, nous tous soudés autour d'un programme et autour d'un engagement et plusieurs engagements. Ouais. Alors, mon content, nous les dire à la population, nous les présente une alternative d'un gouvernement propre, d'un gouvernement qui promène prospérité, d'un gouvernement qui pour garantir leur partage et qui pour garantir l'unité de la République. Merci beaucoup. Merci Nando. Maintenant, nous pouvons merci. Nous pouvons une slideshow avec une voix off qui peut dire environ 3 minutes 25 secondes, si tout bien chronométré. Et si nous écoutez, nous guettez et nous tient le son. Merci. Comment se trouver, permettez-moi. Non, bien sûr. Qui, ban engagement là, au fait, c'est ban engagement. Tout nous ban action. Tout nous ban solution. Il pour rentrer dans sa cadre, sa engagement là. Quand nous dire le droit au bonheur, ça veut dire chaque Mauricien a le droit au bonheur dans son pays. Il faut bien croire dans son pays pour commencer. Pour lui, ça, cette appartenance au pays. Quand nous dit, par exemple, salaire égal, travail égal, nous connaît qui nous peut dire. Quand nous dit un nouveau parlement, nous pas pour rentrer dans ce même détail là, mais tout ce bon engagement là nous permet nous autres et nous avons une série de mesures qui nous travaillent ensemble et nous peut continuer de travailler avec les camarades de l'évêque fraternel pour qu'ils nous aient une action commune, un plan d'action commune. Maintenant, nous pouvons. Avant de venir là, Nando, comment nous discuter pour Ena, premièrement, aujourd'hui, les engagements. Ensuite, programme, et quand élection finit, pour un manifeste. Donc, engagement, programme, manifeste. Donc, c'est qui, donc pour un approfondissement de tout ce qu'il nous peut dire. Maintenant, Nando, à toi l'honneur de présenter un camarade qui gagne un dossier. C'est pas une étiquette, ça. Un camarade qui gagne étiquette, peut-être pas ici. C'est un camarade qui travaille sans relâche, bande dossier et partout pour ajouter du monde avec eux, ni ticket, ni ministrable. Ça, capable de dire mettre moi-même des hauts. Mais voilà ce qui dit bon, qui nous tout connaît. Nando. Alors, ça, bande dossier-là, nous ne déjà pas travail, nous pouvons venir avec une mesure concrète qui nous peut appliquer. Et moi, j'ai déjà dit une affaire. Et une mesure qui nous peut appliquer ce lendemain élection. Définitivement. Ce lendemain, et la mesure que nous pouvons appliquer dans les premiers 100 jours. Et nous pouvons dire ça, qui nous pouvons faire dans les premiers 100 jours. Et après, une mesure que nous pouvons appliquer dans la première année, et nous pouvons mettre les chantiers pour les autres années du mandat. Donc, une mesure qui nous prend, la cause à que nous devons travailler concrètement pour dire exactement qui nous pouvons faire. Alors, concernant l'état de droit, concernant la lutte sans merci contre le trafic de drogue, contre la fraude, la corruption.
nous pays peuvent un modèle qui nous pas accepter. Pour combattre la mafia. Et nous pour combattre la mafia parce qu'il y a une volonté politique. Ses camarades, Maître José Moa. Et nous mettons ça premier parce que toute équipe connaît qui nous a un plan spécifique pour moi prendre pouvoir pour combattre la mafia. Côté l'y trouver. Djangat connaît, mais il n'est pas fait. L'opposition parlementaire officielle connaît, mais pas fait un an. Promettre aux autres qui nous pouvons faire parce qu'ils nous dénoncent. N'est-ce pas, Nando? Maintenant, on a grand plaisir de donner le nom de camarade qui est pour responsable dossier développement économique, industrie et emploi de votre camarade-là, Dave Sanasi. Dave, quand il a un dossier en ligne, maman, il travaille. Merci, Dave. Vous connaissez combien nous roupines glissées? Combien nous roupines étaient par rapport au dollar? Combien les fines étaient par rapport à l'euro? Oh. Au 10 dollars, il arrive 50 roupies. Je ne sais pas combien de pour aller. Nous avons besoin une politique monétaire qui fait que nous roupies n'ont pas de valeur. Deuxièmement, vous ne pouvez pas prendre 60 milliards, 80 milliards dans la caisse, la banque de Maurice. Pas qu'il y a droit de faire ça. Donc, concernant la politique fiscale, concernant la politique monétaire, concernant les finances publiques, concernant l'endettement, parce qu'il nous arrive 500 milliards, nos camarades Roshan Kalpou. Et maintenant, un dossier qui m'a plaisir. Je ne connais pas pour arriver au tout, pour présenter sa camarade. Et c'est ben camarade qui m'a présenté avec beaucoup d'émotion parce que c'est un ancien recteur Collège Royal de Pau-Louis, ancien recteur Collège Royal de CUEPIP et qui me fait beaucoup, beaucoup pour des milliers d'étudiants et qui me trouve combien d'étudiants ils quittent Maurice pas ne retourner pour l'éducation. Il connaît ça, le se bout les doigts, puisqu'il se bout les doigts. Donc, moi, j'ai plaisir qui ce dossier-là, qui l'ignore Maurice, il donne ce dossier-là pour travailler avec les autres à Pritam Rambarat. C'est de l'impressionnant. C'est bon, bien, les autres, c'est 10% de ce CV. Pour la santé, Azodi nous dépense 14 milliards roupies. 14 000 millions. Et nous tout connaissons dans quel état nous, l'hôpital était. Nous tout connaissons quelle était la santé. L'autre affaire est arrivée. Nous avons un problème concernant la santé payant dans les cliniques. Quand les pépévines, une machine pour faire casse. Nous pour régler ça. Pour dès qu'ils nous lançons la santé. Et le bien-être, nous avons une population, parce que la population, c'est même ce qui nous est là. Nous avons donc une population qui est en bonne santé et une population qui est capable, justement, et a une longévité de vie. Et nous avons fait l'île avec la santé publique. Alors, nous avons l'honneur et le plaisir présente Dr Nina Ramdani. Ramdani, qui occupe ce dossier-là. Et qui peut déjà travailler dur. Il y a des affaires qui peuvent causer partout, Nando, par les partis politiques, pas encore causer, le pouvoir pas encore causer. Et nous, on finit causer, comment nous mettons comme un droit, c'est l'intelligence artificielle. Le droit à l'Internet. Le droit à l'Internet, la technologie dans son ensemble. Et Pena, meilleur camarade, il y a un de mes camarades très jeune, très actif, qui milite pour les syndicats, qui milite pour l'éducation, qui milite pour les droits des animaux. Sa camarade qui prend la responsabilité de préparer sa dossier-là avec la base qui nous finit jeter comme un droit, c'est nos camarades, à mon gauche, Ivor Tanyan.
spirituel correct. Bon, ben, passe à une commission qui c'est dommage que nous pas fin capable valer du jour exploite en bien un potentiel immense. Nous avons une zone exclusive de 2,7 millions de kilomètres carrés. Nous mangeons 25 kilos de poulet par tête et nous mangeons 5 kilos de poisson par tête. Nous avons besoin de tout ça là. Nous avons besoin de connaître qui manière pour amener une révolution. Qui manière pour, c'est ce que nous appelons l'économie bleue, l'économie océanique. Et là, nous avons le plaisir de prendre un vieux routier qui finit dans le Parlement, qui nous pose beaucoup de questions, qui finit proche de bonnes camarades de la communauté des pêcheurs, qui est proche de Rodrigue, camarade Jean-Claude Barbier. Merci Jean-Claude pour prendre ce gros dossier-là et mettre l'équipe en place. J'ai le plaisir encore une fois pour annoncer au nom de l'Union Maurice, qui camarade, qui occupe dossier qui important, c'est l'économie verte. C'est docteur Daniela Polis Michel. Et comment me dire qu'elle est là? Maurice capable un modèle de résilience, de préservation, mais aussi de production et d'économie verte. Nous croyons là-dedans. Astel, il fait moi grand plaisir pour un camarade qui m'a aimé introduire quand nous étions ensemble dans un bassin. Il me fait les premiers pas avec moi. Il fait le premier pas avec moi. Les fins dans le gouvernement, les fins deputy speaker, les fins ministre, et nous allons donner un dossier qui est capital. Good governance. Si vous payez dans good governance, pas pour rien, non, rien pas pour marcher. Tout vient mal à vous. Si aujourd'hui, toute mon institution, ou mettre ban chatois partout, aucune institution n'a pas pour marcher, pas pour une good governance, ou pour un rapport de l'audit chaque année, qui vous dit, nous avons un gaspillage de 7 à 9 milliards de roupies, et ça reste à oublier. Sa good governance là et la lutte contre le gaspillage, pour nous, il y a une mesure fondamentale, il y a une priorité, parce que c'est ça qu'à cela qui nous peut servir après pour les jeunes, pour les personnes âgées. J'en ai le plaisir maintenant de présenter mon camarade Priviraj Putain au nom de... Moi qui finis comme camarade Patten à Londres, il économe avec son civil. Hein? Moi, j'ai un plaisir maintenant, vous avez un autre dossier qui est important, qui pour sous la responsabilité, il est important de dire sous la responsabilité pour faire le travail qui est bizarre. C'est le dossier agro-écologie de nos camarades, qui pour vous présider par nos camarades, Satish Ramaratan, responsable. Merci, Ramon. Bon. Le prochain dossier, pour nous, le capital. Aucun enfant dans ce pays-là n'est pas capable de dormir sans un repas. Aucune famille n'est pas capable de laisser sa famille-là dans ce qu'on appelle le poverty trap, c'est-à-dire l'engrenage de la pauvreté. Parce que la pauvreté, il y en a mille façons. Parfois c'est travail, parfois c'est la case, parfois c'est l'alcoolisme, parfois c'est la drogue, parfois c'est famille brisée, récomposée. Donc l'inclusion de bonnes familles en difficulté. C'est un engrenage ça. Souvent, je peux être sorti, même depuis dans cet engrenage là. Mais je reste maillé. Et nous, besoin de faire lire quand nous sommes capables de donner chaque famille une attention particulière. Parce que ce problème, il n'y a pas. Nous, besoin de connaître qui m'a pour régler ce problème. Il n'y a pas pareil que mon problème, ce voisin. Donc, c'est l'inclusion sociale, là. Dans une société comme Maurice, tout le monde est bien capable de vivre et aspirer au bonheur, et ce bon enfant capable d'aspirer à l'éducation et au potentiel. Pour ça, l'inclusion sociale, là, nous prenons une belle équipe.
Et nous prenons un dimoun qui ne passe sur le temps, descend dans la rue pour la guerre contre les abus, pour droit tout le monde qui part en difficulté, qui finit toujours avec, bon, pour dire les pauvres, mais ban dimoun qui finit dans un moment de difficulté. Donc nous prenons l'équipe là. Et ça, l'équipe là, à ce dit, nous avons les moyens. Nous sommes capables de prendre un milliard pour régler ça. Seulement, nous sommes capables de régler avec efficacité. Faire tout ça, ma famille, là, sortir dans ce que nous appelons le poverty trap, c'est-à-dire l'engrenage de la pauvreté. Nous prenons un camarade Raouf Kodabakas. Nous prenons trois madames. Riskane, Ida, travailleur social. Sharon. Nazrin. Merci. Bien important pour nous ça. Nous ne sommes pas capables de laisser pour compte. Pas capables d'avoir une société à deux vitesses. Parce qu'il y a là pour venir un danger pour l'autre banda. Nous avons besoin de tout le monde ensemble et nous avons besoin des moyens pour faire lire. Et bien, tout le monde qui est content d'aider, faire travail social, faire lire pour capable de sortir de ça l'engrenage de la pauvreté. Donc, camarades, maintenant, nous avons l'autre. Nous entendons comme ça chaque fois, bon, comme ça chaque fois dans nos adresses, la diaspora. La diaspora, la migration. Un camarade qui passe une fois sur ben l'étude, tertiaire avec ben grand résultat, en France, il est à l'île de la Réunion, il est dans les autres pays. Il y en a deux camarades parmi nous qui, pour prend le dossier en main avec les autres camarades, surtout ben camarades qui, en Angleterre, en France, nos camarades de Duki, c'est nos camarades Sandiren Kolandabel. Une jolie pause, hein? Ouais. Nous avons la ville une mot. Municipalité, pas peut respirer. Nous visons refaire qui nous bannent municipalité, nous bannent la ville. Je devine un poumon de vie, que du monde content. Nous visons redonner ça que la ville, sous liberté, sous budget, sous responsabilité et sous priorité. C'est ça la démocratie régionale qui nous va mener. Ça que la ville, il prend la poulie. Et nous pouvons faire de sorte qu'il y a une municipalité à travers le pays. Pas seulement il y a un district council, ça aussi nous pouvons faire une manière qui nous a régler le problème rural urbain. Pour faire ça, nous avons un camarade qui est dans politique et travail social pendant quelques temps déjà. Je peux appeler mon camarade Iqbal Bikan. De toute façon, la presse pour gagner une copie de tout ça, man CV, là, hein, sans problème. Avant, je présente le camarade qui prend la responsabilité de dossier. Je tenais à remercier trois personnes avant d'aller plus loin. Remercier, je dire de t'applaudir très très fort dans toute l'activité, madame présente, pour le mandat de CIF. C'est pour dire, je suis deux, qui pour nous, tout ben problème pareil. Pour Ena, bizin capable d'une capacité pour langage des signes et tout pour et tous nos ben camarades qui ont ben problème. Il est important et pays capable de faire li, bizin capable de faire li et nous pour faire li. Ensuite, j'ai envie de remercier au nom de l'Union Maurice, nos camarades membres avec nous, professeur Bouchan Baoran, qui nous donne sur la voix pour off, qui ont écouté une jolie la voix. Bien, Moukesh. Et aussi une belle voix qui a une ajoutée et en français excellent de Daniel Turner, comme on dit. Maintenant, nous venons avec jeunes. Jeux des îles. Problème jeune, pas seulement sport, ça. Hein? Tout ce qui a été problème, ben jeune. Bizin, un camarade qui réfléchit ensemble avec ben jeune, avec ben dimoun l'expérience, et pour faire ça, nous, tout, quand il décidait, nous pensons, camarades, meilleurs, parce qu'il a maîtrise du dossier, c'est nous, camarades, Akilesh Manga. Akilesh travaille beaucoup sur ça, je suis là.
quand on a un programme, je trouve une proposition plus intéressante qui peut être et qui peut détailler pour que la presse et les autres, si on veut débattre, va capable de débattre correctement sans tomber dans la bassesse. Un mot de la jeunesse. Pour ça que jeune, nous bisons assiser, écoute-li. Qui l'y a envie de faire? Qui l'y est capable de faire? Qui est son potentiel? Encadrer-li pour ce qu'il y a envie de venir pour ce pays. Chaque jeune mérite ça, l'attention personnelle et particulière. Et c'est ça qui nous parle tout. Alors moi, je venais le plaisir après, relations industrielles. Moi, tu peux cause gaz, d'aller là. Moi, tu peux cause travailler. Et nous tout connaissons après Covid, quelle situation finit d'arriver. Nous finissons avec ça, question de travail égal, salaire égal. Nous avons ça problème quand il y a un comité disciplinaire qui finalement seulement, il finit, c'est taillé rasé ça, parce que le président là, il finit gagne sa... Patron finit de finit dire qu'il peut mettre l'idée haut. Nous avons plusieurs cas qui finissent dans la discrimination, qui finissent dans l'abus. Donc, relations industrielles avec les syndicats. D'ailleurs, nous avons causé avec Résistance et Alternative, une zone l'autre jour là. Donc, relations industrielles sont extrêmement importantes parce qu'il nous besoin d'un pacte social pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il nous soit capable de faire un gâteau national grandi. Et pour faire ça, nous prenons le camarade Maître Robin Potier. Et Robin, il parle tout d'abord en 2019 à Wales. Et c'est un bon avocat qui vous continue à grandir. Et pour venir un grand avocat, déjà, mon cas après dire. Robin. C'est pas Diarré, c'est le champion d'Afrique. Oui, oui. Ben, camarade, parmi nous, nous avons plusieurs champions. Il n'y a aucun des autres blocs politiques qui n'a même champion en termes de sport. Nous, il n'y en a plus beaucoup. Quand pour faire conférence de presse spéciale sport, je peux trouver. Nous, évidemment, moi, j'ai plaisir qui m'a mis la main droite. C'est un camarade qui est champion pétanque, qui représente Maurice dans la francophonie. Il tire, c'est mon camarade Hossein Boudou. Médaillé d'or plusieurs fois. Et il fait les autres, il passe le relais à plusieurs dans Rosil et qui nous gagne meilleur tireur dans une des îles. Nous, on a un côté, un camarade qui m'a connu, mon connu son papa, mon connu, mon guetli. Ensemble avec un grand athlète comme Mr. Mauritius, Mon Getli, gagne prix, c'est nos camarades José Moi, premier médaillé, monster. Et nous avons encore un autre, sans compter, nous avons un nom qui peut vous ajouter parmi nous, un franc, un Mauritien malgache, qui est avec nous. Nous avons plaisir que le dossier ISPO dans ce généralité sera autour de Stéphane, par exemple, Stéphane Guillary, champion de Maurice. Et aujourd'hui, et tout à l'heure, là, quand Stéphane fait ce téléphone, j'ai dit comme ça, mais combien de médailles d'or il est arrivé? Il n'y a pas encore. 111 Madagascar, combien Maurice, nous 18 médailles pour derrière, combien La Réunion, combien Maldives, combien Seychelles, et ils suivent dans tout domaine différentes médailles. Et il y a une tristesse qui nous pas fait sport et nous. Nous pas fait sport. Juste nous pouvons faire sport de lui. Donc, tu prends un gros travail, Stéphane, pour faire qu'il a Maurice, vienne une nation sportive et qu'il prenne l'exemple pour le monde entier. Je devais aller là nous dire que le socle de la fondation, le qui nous peut bâtir la société mauricienne, c'est la famille. Et aujourd'hui, la famille est sous pression pour beaucoup de raisons. La vie moderne, des choses perdent vite, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. Donc la famille et la démographie, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Nous payons 19 milliards d'euros parce que, au niveau de la sécurité sociale, c'est un dossier extrêmement lourd parce que la famille reste l'avenir de nos sociétés. Alors ça, nous pouvons donner ça à une madame qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, c'est madame Mirella Chauvin. Oui. Madame Chauvin, c'est une enseignante au couvent Lorette de Rosil qui est très attachée avec les jeunes et essaie d'aider les jeunes autant que possible. Maintenant, prenez toute activité qu'en faire. Fais-le un camarade qui fait de manière raise fun. Sa camarade-là, il a une tâche ingrate parce qu'il pourrait raise fun, gagner jouer, du monde.
Et sa camarade-là, c'est un enfant de Stanley, qui a beaucoup de gré. C'est Fadila. Fadil, moi, je m'appelle dit. Fadil, moi, dans Bux, qui est la Bux. Il dit qu'il y a un dossier infrastructure. Il y a un dossier camarade Nando pour être dit là-dedans, mais ce dossier-là, c'est un dossier qui faisait travail d'arrache-pied parce qu'il nous peut régler le pays. Et quand nous disons pays, Maurice, Rodrigue, Agalega et les autres Saint-Brandon. Donc, Fadil, bonne chance avec tous mes camarades qui peuvent être dans le dossier d'infrastructure. God bless you. Une femme aussi dit qui quand ban mineur qui elle où il sort bon, tu peux rentrer dans ban mine, tu vas mener un oiseau avec d'autres. Et quand arrivé un moment que l'oiseau là commence bouge la tête, ça veut dire ne plier n'aller comme un dark side peut venir les peines applicables les poumons ban mine là dit mais nous pas besoin rentrer c'est nous sorti. Mais ban artiste. Je finis comme ça souffrance sa société là avant même qu'il nous sentit. Et nous les qui Maurice vient un pays de la création. Nous finissons beaucoup artistes, beaucoup écrivains. Nous avons même un prix Nobel de la paix, de la littérature. Alors ça pour nous c'est un secteur extrêmement important après nous le monde. Nous n'avons pas basigat. Alors ça nous finissons dimanche, Madame Danielle Turner. Maintenant, formation permanente, pas formation one-off formation. L'entrepreneuriat, si on prononce bien. Formation, c'est qu'il disait de un camarade qui brime et n'a cœur et qui peut, avec toute l'équipe, qui peut joindre ben différents. L'équipe, que ce soit ben, différents SMU avec l'équipe, fait le tour de la République. Et Rodrigue, ça dossier-là, une madame qui est très déterminée, remplie de conviction. C'est Dr. Sita Jinya Saminat. Il fait moi plaisir de dire que Dr. Sita, il designe un. Université, il y a une institution tertiaire avec 200 étudiants sortis de haut. Alors, il y a deux secteurs qui sont extrêmement stratégiques, le port et l'aéroport. Et les ports, aujourd'hui, il y a 30 000 bateaux qui passent là, et il y a juste 3 000 qui peuvent venir Maurice. Et le nombre de containers peut baisser. L'aéroport, nous connaissons qu'il est arrivé, il prend tout. Il mettait la tête d'un chatois qui peut faire, qui occupe l'aéroport, qui occupe duty free, qui occupe toutes affaires. Et c'est un enfant de la cuisine. Mais nous les un professionnel. Et Judex Soulange, c'est le marine engineer. Un des rares marine engineer qui nous est dans Maurice. Et nous donne donc sa responsabilité là. Merci Judex. Nous avons aussi, qui peut donner un coup de pied là-dedans, nous avons aussi Ferhat Mahmoud qui pour ensemble, qui connaît ce dossier-là bien, qui connaît tout chiffre, et il y a tout un équipe autour, mes camarades. Moi, maintenant, encore une fois, je vous servis de mon plaisir, parce que c'est mes camarades présents, et après, je vous disais, délivre, travail, logement sociaux. 12 milliards. Pas pérance dans rien. Je vais faire qu'à jeu de poule. Et en bête du monde, et en bête les plus pauvres de la République. Et quand ou coquin du monde pauvre, parce qu'il fait coquin, ou peut faire un crime atroce, tout du monde besoin de la case, tout jeune besoin d'aspirer pour la case. Et ça dossier là, ça dossier logement social là, c'est Vivek Ochaibor qui prend la responsabilité de faire ça dossier. Vivek apporte être responsable logement social, fait d'autres connaît qu'il y cause plus violent. Donc, je converse avec lui, il est plus violent. Quand nous avons le camarade Silvio, les Verts, pour une alliance MSM, les Verts en 99, Silvio, tu dis à moi que ce principal combat reste la réparation concernant les séquelles de l'islam. Et à l'époque, 2000, dans l'accord multimédia.
C'est à mon regret, il dit, moi, le combat continue. Et effectivement, le combat continue. Beaucoup ont fait une arrivée dans le rapport de Truth and Justice Commission. Et il reste fidèle à ce combat-là. Et en même temps, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est plus extraordinaire, c'est ce combat-là. Il continue, mais il ajoute sa dimension VLA, c'est-à-dire vivre autrement, produire autrement, alimenter autrement, préserver autrement. Et là, donc, nous faisons une demande, camarade Les Verts, pour qu'il y ait quelqu'un qui est capable donc get sa dossier de réparation sur les séquelles de l'esclavage, tout en étant aussi get un coup de sa affaire de l'économie, transition vers l'économie verte. Là, nous avons nos camarades Silvio Le Gallant. Et Silvio capable contre nous, Silvio n'a sur Michel, et n'a Silvio Le Gallant, et n'a toute l'équipe Les Verts, toute l'équipe Lignon Maurice, nous prend l'engagement, nos questions retour la terre, restitution des terrains, dans première semaine, pour n'a une réunion avec l'industrie sucrière, pour qui de saut trouve une réponse, et n'a pas perdu les temps, la cour, parce qu'il nous pour assise avec Benjamin Kibizin, assise avec Benjamin Kibizin, pour qui régler les problèmes. Et mes camarades connaissent, quand on me donne parole, me garde parole, si on a pour pas manger, pas boire, et on a pour monter montagne, redescendre, remonter, redescendre, remonter, nous pour faire lit, et nous pour garder parole, et tout le monde peut écouter nous, marquer, garder le dossier-là, personne ne va pas venir discuter avec nous, parce qu'il est honnête, nous sincère, nous envie pour une solution. D'accord. Vous venez pour me dire, vous ne pas qu'on lit à écrire. Père Chuchon, tu as raison. Chaque fois, je vois Père Chuchon régulièrement, que ce soit pour Mame sans base. Et Père Chuchon, chaque fois, dis-moi, qui chiffre à la prison. Il a fini, dis-moi, chiffre, dis-moi, combien il a dans une passe? Sixième. Tout qui n'a 4 fusils, 90% dans la prison, je connais, ben 4 fusils, c'est-à-dire 4 F à l'époque CPE. Dis-moi encore pas qu'on lit, l'éducation gratis, dis-moi encore pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et ceux qui qu'on écrit, dis-moi qu'on écrit ce nom, au fait, ils dessinent ce nom. La lutte contre l'illettrice. 2024, la République de Maurice. Et l'analphabétisation, c'est un camarade qui, au fait, les mêmes immigrés nous, pour montrer, explique nous comment les enfants peuvent ramasser problème, peine à manger, peine à nier la drogue. C'est nous, camarades, Jonathan, Evno, qui est un professeur, et qui est sa combat. Et dans ce domaine-là, nous pouvons guetter un coup qui manière pour appliquer la langue maternelle pour capable justement combattre l'illettrisme et l'analphabétisation. Vous connaissez, nous posons la question combien Mauriciens sont dans la diaspora. Nous connaissons en Angleterre. Nous connaissons en France, nous connaissons au Canada, nous connaissons en Australie, nous avons une communauté aussi en Afrique du Sud. Nous pensons qu'il y en a entre 400 et 450 000. Longtemps, où écrit une lettre, attendons une réponse, il prend un mois. Zodi, un étudiant, il peut apprendre dans Leeds, il a envie qu'il y ait un carré, il téléphone son maman pour demander mais, qui bizarre c'est. Maman. Ça veut dire la technologie, il fait que les Mauriciens qui sont toujours dans d'autres pays, et que ça la terre dans notre équerre, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait au quotidien. Et ils ont pu tracasser qui Maurice Pétoum dans une situation catastrophique, et ils ont gagné père, et ils ont pu vivre très mal sa situation de crise dans qui l'île Maurice était aujourd'hui. Donc nous prenons ban relais. Et camarade Dave Sanassi vient faire plusieurs plateformes avec ban camarade de la diaspora. Donc nous prenons une commission qui peut guetter un coup, qui manière. Vous êtes capable de contribuer, vous avez contribué beaucoup pendant Covid. Vous êtes capable de contribuer financièrement, matériellement. Vous êtes capable de contribuer en termes d'idées. Mais il y a une autre chose qui vient ensemble, Mauli, le droit de vote de la diaspora. Et ça aussi, nous avons réfléchi de là. Nous avons guetté le système français et nous pourrions faire. Alors ça, c'est le docteur Apana et camarade Christian Bernard qui peut occuper ça aussi là. Docteur Apana, content, fait très discret. Ouais.
Et Dr. Apana, c'est le seul Mauricien qui gagne le prix Raymond. J'ai pas envie de dire, ah, laisse-moi vous dire. Dr. Apana, c'est le Mauricien qui gagne le prix Raymond Bord. Et moi, vous causez aux autres, ce sont des enfants qui gagnent. Donc, nous dire les autres, qui est là autant. Ah, et la camarade pas connaît, la prochaine fois, on va vous faire un discours au Raymond Bord, comment il est né à l'île de la Réunion, qui il était, comment il est devenu premier ministre, qui s'est choisi à l'île. La prochaine fois, professeur, compte-le moi dans sa partie de l'histoire. Donc, maintenant, nous avons Christian Bernard, c'est un Mauricien. Christian, il y a moi. Oui. À votre gauche. Christian, plus Mauricien qui français. Et je tout connais. Et le seul, laisse-moi dire de la paix, le seul Mauricien. Quand nous faisons lance solidarité avec Palestine, il a dit, Mathieu, tu m'arrêtes, moi, l'eau Palestine. C'est le Mauricien qui finit mes pavillons Palestine, l'eau sur la case, dans son reste, c'est Christian Bernard. Et moi, je applaudis. Le dernier. Ah, le dernier. Dernier commission. Ouais. Dernier commission et qui pour présider par un camarade, c'est la diplomatie et la relation internationale. C'est nos camarades Pavez Douki qui est à l'étranger, qui peut suivre nous actuellement avec une équipe camarade dans toutes les capitales pour qu'il soit capable de faire travail avec beaucoup de professeurs de Bani Université. Nos camarades Pavez Douki qui lit aussi ce groupe. Il est basé à Paris. Là. Il est basé à Paris et professeur aussi. Et donc, camarades touristes, camarades là, il fait un travail au bas. C'est nos camarades corrects, n'est-ce pas? Nos camarades corrects qui sont responsables et fait faire formation au bas. Donc, avant ça, nous avons des trois camarades qui sont présents là, par exemple, nous avons un camarade Pierre Bacas, nous avons les autres bonnes camarades. Notre responsabilité, c'est mobilisation terrain, sous la responsabilité de camarade Jean-Claude Barbier et aussi de nos côtés, Zoro, Raja Ratnam Lipala. Nous avons une équipe qui le travail, c'est. Pas au niveau du terrain. Parce que si nous gagnons cette bataille-là, c'est quand nous pouvons pas faire tout ça, man, l'idée-là, toute sa sincérité-là, toute sa détermination, toute sa volonté-là, les dîmes senti qui vraiment nous peuvent venir passer ce message-là pour qu'ils aient dit vous ensemble avec nous et ils aient continué ça et ça la flamme-là pour qu'ils nous capables de prendre des stress à faire. Bon, camarades, vous pouvez venir joindre nous et je pourrais m'en faire une affaire. 3-4 dîmes, peine à aucun dossier de responsable. Et notre camarade Silvio Michel, qui n'a aucun dossier. Nous ne pouvons pas dire ça parce que Silvio, il gagne, il dit à nous 82 ans, et moi j'espérais qu'il peut dire à nous vrai parce qu'il m'a pensé plus jeune que ça. Donc, il y a Silvio, et notre camarade docteur Vincent Benoît, qui n'a responsable dossier. Et nous même qui n'a responsable dossier, et camarade Nando, qui n'a responsable. Mais nous sommes là. Mais seulement, pour encadrer. Nous pour là, pour encadrer, c'est une forme de relais pour passer la main et encourager les autres à joindre. Dans la salle, il y a une quantité pour bien joindre. Et dans les autres équipes pour joindre nous, pour bien consolider sa bonne commission-là, correct, pas correct, Lola. Et nous prenons un gros travail. Et moi, je promets de mes camarades, un peu, pas promettre aucun plaisir à aucun camarade. Moi, on a plaisir à dire mes affaires. Mais pour dans le travail, mes camarades qui connaissent moi, pourquoi boulez le tir à la dernière fois, quand moi, j'ai tourné d'une rôle, moi, nous, ils ont presque 24 pour travail. Mais tout camarade, pour bien travail, et pour bien travail d'arrache-pied, parce qu'il ça paye là, mérite mieux pour nous, efface l'homme, le visage, ben maman. Alors maintenant, une très courte vidéo que chaque camarade il fait un petit statement de une phrase, des phrases, le ce commitment par rapport à ce commission et par rapport à mon engagement qui m'a déjà dit tout à l'heure. Donc nous guettons ça cette vidéo là et après ça, tu nous peux terminer. Ouais, très court. Ouais.